Ben, d'abord, je vous souhaite la bienvenue, chers partenaires, chers invités et membres du conseil d'administration, bienvenue à l'Ardoise. On se sent vraiment privilégiés là, de pouvoir vous recevoir aujourd'hui pour l'inauguration de notre nouveau service d'accompagnement et de soutien individuel à la lecture, l'écriture et l'utilisation des technologies numériques. Dans quelques instants, on va vous dévoiler en quoi consiste ce service-là, qui, en plus de nous réunir aujourd'hui, a réuni de précieux partenaires qui partagent nos valeurs et notre vision d'une société juste et inclusive et qui croient en la possibilité d'apprendre d'une autre façon. Si je parle pas assez fort, là, s'il y en a, dites-le moi, je vais m'ajuster. Il y aura une lecture de deux témoignages qui va être fait par Alexandra, qui est animatrice ici à l'Ardoise. Par la suite, on va procéder de façon bien spéciale à l'ouverture officielle du local. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu du projet. Je vais prendre mon souffle. En fait, depuis 1996, l'Ardoise fait de l'alphabétisation populaire un outil d'expression et de transformation sociale. L'apprentissage de la lecture, l'écriture, le calcul, ça devient le levier qui permet aux personnes peu alphabétisées de participer à la collectivité, de s'exprimer et de reprendre du pouvoir sur leur vie, parce que cette façon-là d'apprendre autrement tient compte des besoins et de la réalité de la vie quotidienne des participants. En petit groupe, au rythme de chacun, notre approche permet à ceux qui s'engagent dans une démarche d'alphabétisation populaire de définir et de répondre eux-mêmes à leurs objectifs avec l'accompagnement et le soutien d'une équipe engagée et dévouée, que je salue chaleureusement en passant mon équipe. Bien avant la pandémie, on était déjà sollicité pour de l'accompagnement individuel. Évidemment, la pandémie et le confinement ont exacerbé là, cette problématique-là, puis on a eu plusieurs nouvelles demandes qui nous ont été adressées pour remplir des formulaires, utiliser des services en ligne. On peut penser à des demandes de PCU, les circulaires d'épicerie qui sont en ligne, prendre des rendez-vous pour le vaccin, les tests de dépistage. Et, bon, on a eu beaucoup de demandes. Puis, en fait, pour les personnes peu alphabétisées, en plus de leurs difficultés avec la lecture et l'écriture, c'est souvent des personnes qui sont étrangères, voire complètement mises à l'écart là, pour, des plateformes numériques. Donc, en pleine pandémie, on s'est lancé, on est allé de l'avant en réalisant un processus de planification stratégique. Puis, lors des rencontres avec nos différents partenaires, l'équipe, les participants de l'Ardoise, le besoin d'avoir un endroit qui propose un service d'accompagnement et de soutien individuel a été nommé à plusieurs reprises. Donc, ce besoin exprimé par le milieu est venu confirmer le besoin qui émerge vraiment directement de la population. Puis, étant le seul organisme en alphabétisation populaire sur le territoire, c'était devenu évident pour nous qu'on devait répondre à ce besoin-là, mais tout seul, on n'était pas en mesure d'y répondre adéquatement. Donc, à la fin du printemps, on est parti à la recherche de précieux partenaires qui partagent nos valeurs, qui croient en l'éducation populaire et qui avaient envie de faire un bout de chemin avec nous, fièrement. Grâce au soutien de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel, de Rio Tinto Canada, de M. Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, et des habitations Richard Hébert, nous avons démarré le service en août dernier, à raison de 2 jours par semaine, les mardis et les mercredis, de midi à 20h. Et depuis, c'est près d'une 60aine de personnes qui ont pu bénéficier de notre accompagnement et des nouvelles demandes nous sont adressées toutes les semaines. Monsieur Gaëtan Dutremble, président de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel, et Madame Raphaëlle Guilbeault, attachée politique de Monsieur Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, vont s'adresser à vous dans quelques instants pour partager les raisons qui les ont motivés à s'allier à l'Ardoise. Mais avant, je cède la parole à Alexandra pour la lecture des deux témoignages. Bonjour. Alors, voici le texte d'une nouvelle participante au groupe d'alphabétisation populaire. Elle a connu l'organisme en passant par notre service d'accompagnement et soutien individuel à la lecture, l'écriture et l'utilisation des technologies numériques. De plus, elle était nouvellement résidente de Sorel-Tracy. Voici le texte qu'elle a composé pour l'Ardoise en lien avec sa participation au groupe. Perché sur mon nuage, j'ai vite descendu pour voir que le gazon n'est pas plus vert chez le voisin. Aussitôt arrivé dans la région, je me voyais déjà repartir pour la grande ville. Lorsque je me suis inscrite à l'Ardoise, tout a basculé dans ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que tu as tout dans ta nouvelle ville? Des amis, des connaissances, des organismes.
À l'extérieur, c'est gros, c'est grand, tout va vite. Malheureusement, c'est chacun pour soi. Ici, à l'ardoise, c'est autrement. Dès mon arrivée, les gens du groupe m'ont bien accueilli. Même qu'une participante m'a donné ses crayons. Je me suis sentie à ma place. Voici son témoignage au sujet du service individuel qu'elle a utilisé aussi. Quand on n'a pas de diplôme, souvent, on a de la difficulté à comprendre. Vous apportez l'aide qu'on ne peut pas avoir ailleurs et sans jugement. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'instructions, cette aide est colossale et je tiens au mot colossal. C'est un service qui aide à cheminer dans la vie et je souhaite à tout le monde de découvrir ça. Faut pas être gêné. J'aurais tellement aimé ça connaître ce service-là avant. J'ai même habité dans une grande ville et j'ai trouvé aucun service comme ça. Signé Sylvie. Un second témoignage de M. G, retraité, qui a utilisé les services individuels. Je suis vraiment très content du service, c'est très apprécié. Avec les technologies numériques, c'est comme si j'étais illettrée. C'est pire qu'un enfant qui apprend. J'ai toujours travaillé dans ma vie, même si je suis dure de compreneur, comme quand on allait à l'école. Aujourd'hui, je me sens obligée d'utiliser les nouvelles technologies. Je suis à la retraite, mais j'aimerais me trouver un petit boulot pour m'occuper. Je suis allée au centre local d'emploi et le tableau où étaient affichées les offres d'emploi n'existe plus. Et à cause de la COVID, personne ne pouvait m'aider avec l'ordinateur. Ils m'ont dit de venir à l'ardoise, qu'à cet endroit, quelqu'un pouvait m'accompagner et me soutenir. Monsieur Jean. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je dois vous dire que je trouve ça fantastique de voir l'accompagnement qui se fait ici. Je tiens d'ailleurs d'entrée de jeu à souligner l'engagement de l'équipe de l'ardoise dans ce bel élan d'entraide. Votre approche inclusive, respectueuse et bienveillante s'inscrit tout à fait dans la valeur de Desjardins. Vous savez, l'éducation au sens large fait aussi partie de nos priorités. Et quand je dis le mot éducation, je ne fais pas seulement référence au cadre scolaire, mais plutôt à cette volonté de favoriser l'accès à l'information, aux connaissances, en un ensemble de moyens pour s'outiller et prendre sa vie en main, y compris ses finances. Les témoignages qui nous ont été livrés sont parlants. Merci d'ailleurs d'avoir accepté de partager vos parcours de vie. Tous ceux et celles qui choisissent de passer ces portes méritent notre soutien et notre admiration. Nous pouvons applaudir votre volonté et votre grande détermination à vous, les participants, qui vous engagez sur une base volontaire dans cette façon d'apprendre autrement. En choisissant de le faire, vous reprenez du pouvoir sur votre vie et vous vous donnez la chance de prendre la place qui vous revient dans notre communauté. Vous êtes tous importants. On a besoin du plein potentiel de chacun d'entre vous. C'est ce qui contribue à la richesse de notre milieu. Bravo à vous tous. Continuez dans cette belle élan. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Je serai brève. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Guilbeault, je suis l'attachée politique du député de Richelieu, M. Jean-Bernard Raymond, et la voisine de bureau. ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est que l'ardoise, personnellement, c'est mon petit bonheur de la journée, parce qu'à chaque fois que je rentre travailler, je vois toujours des participants devant la porte avant d'aller à mon local, puis à chaque fois, j'ai des beaux bonjours, des beaux sourires, une petite blague ici et là. Puis je dois dire que même quand il fait pas beau, même quand ça ne nous tente pas de nous lever le matin, ben juste ça, ça fait qu'on est content de venir travailler. Même si on travaille pas ensemble, ça reste que c'est une belle ambiance. Puis juste ça, je trouve que ça représente bien l'ardoise, ça représente bien l'organisme. On se sent bien, puis ça paraît que vous vous sentez bien, ça paraît que vous vous sentez valorisé d'être ici, ça paraît que vous êtes heureux de venir chaque matin. Puis juste pour ça, ben ça fait toujours plaisir à M. Aymon de participer, bien entendu, financièrement dans la mission de l'ardoise. Puis je suis certaine que le nouveau service va en donner autant à la communauté. Et je voulais juste féliciter, bien sûr, Martine, son équipe, les partenaires sans qui ça n'existerait pas, ce genre de service-là aujourd'hui.
et les participants, bien sûr, pour être là chaque jour. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Je fais le rendez-vous de la fin. Chers partenaires, chers invités, membres du conseil d'administration de l'Ardoise, merci d'avoir répondu présent cet après-midi. Votre présence est significative pour nous. En terminant, je tiens à souligner l'implication et l'engagement des participants de l'Ardoise dans le processus qui a mené à la mise en place de ce nouveau service-là. Votre contribution a été déterminante dans la création de ce nouveau service-là à la population. Puis, tu sais, après tout, hein, on est là pour répondre à vos besoins et vous êtes les personnes les mieux placées pour nous faire part de, justement, de vos besoins. Donc, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Je remercie aussi, un grand, grand merci à mon équipe, Alexandra, Geneviève, qui ont participé au processus de planification stratégique, Suzy, qui s'est joint à nous tout récemment, qui ont cru qu'ensemble, c'était possible. Je le dis souvent, seul, ça va plus vite. Ensemble, ça va plus loin. On en a encore la preuve aujourd'hui. Merci beaucoup.